Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Joanne Fourtanier, connectée depuis la France et plus précisément de Toulouse. Joanne va nous présenter la séance zéro, la clé de la réussite. Bonsoir, Joanne. Bonsoir, Yotis, et bonsoir à tous ceux qui sont présents. Alors, Joanne, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Je vais bien, merci. Toujours un tout petit peu d'appréhension avant de se lancer dans quelque chose comme ça, mais je suis ravie d'être là. Merci. Alors, Joanne, tu es bien installée, tu es dans un fauteuil confortable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce fauteuil? Parce que il est tellement imposant. Alors, on a fait des commentaires sur le mien, mais je pense qu'on a un point commun justement au niveau des fauteuils. Oui, en effet, tu as raison de m'en parler. J'ai perdu mon fauteuil préféré il y a quelques semaines. Le dos s'est cassé complètement et du coup, il a fallu que je remplace. J'ai un de mes fils qui est en étude d'ostéopathie et qui est également gamer. Et du coup, quand je lui ai demandé quoi prendre, bah, il m'a proposé cette marque. Et du coup, je me retrouve avec quelque chose d'assez impressionnant et surtout adapté pour les gamers. Ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Et c'est agréable, hein? Alors, on est prêt alors à décoller pour la séance zéro, la clé de la réussite. Merci, Joanne. Alors, Joanne Fourtanier. Joanne, on peut le dire, tu n'as jamais été une femme à suivre un chemin tout tracé. Née dans le sud-ouest de Londres, tu as très tôt appris à naviguer entre différentes cultures, déménagement du Brésil à l'Australie puis au Mexique. Chaque destination a laissé son empreinte, tissant un tapis de souvenirs et d'expériences qui ont enrichi ton identité britannique d'une palette cosmopolite de nuances. Après des études spécialisées en informatique et en intelligence artificielle dans une école d'ingénieurs à Brest, Joanne, tu as plongé dans le monde des affaires en rejoignant KPMG à Londres. Tu as commencé dans le groupe SAP, mais ton instinct pour les relations humaines t'a rapidement orienté vers la conduite du changement. C'était le début de ta véritable vocation, le coaching. Ta vie a pris un tournant dramatique lorsque ton père est tombé gravement malade. Son décès t'a profondément affecté, ébranlant ton monde, mais ouvrant aussi une porte sur une nouvelle manière de voir la vie. Poussé par un désir de réflexion et de changement, tu as quitté KPMG et avec ton compagnon, tu as entrepris un voyage transformateur en Amérique du Sud. Pendant un an, vous avez parcouru le continent des îles Galapagos au sommet de la Bolivie en passant par les jungles et les anciens chemins des Incas. Ce périple a été une période d'apprentissage intense, de liberté et d'inspiration. Et c'est là que vous avez décidé de vous marier et de fonder une famille. De retour à Toulouse, Joanne, tu as pris quelques années pour élever tes enfants, un temps précieux qui t'a permis de réfléchir à la direction que tu voulais donner à ta vie professionnelle. Lorsque tu as repris le travail, c'était avec une mission claire. Utiliser tes compétences et tes expériences pour aider les autres à trouver leur propre voie. La région toulousaine, avec son industrie aérospatiale florissante, offrait l'opportunité parfaite. Airbus cherchait à mettre en place des programmes de coaching et avait besoin de coachs anglophones expérimentés. Joanne, tu t'es jointe à l'équipe et au fil des années, tu es devenue une figure clé dans le coaching des dirigeants et des équipes ainsi qu'une superviseure des coachs internes. Ton travail chez Airbus n'est qu'une facette de ton engagement professionnel. Joanne, tu es également une mentor coach formée et certifiée aux États-Unis. Unis et superviseur accrédité. Tu es reconnu pour ta capacité à travailler avec des profils atypiques, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou du sport, et pour ton approche holistique qui intègre pleinement le corps, la tête et les émotions. Tes compétences en communication non violente, en analyse transactionnelle et en PNL, combinées à ta longue pratique de la méditation et de la pleine conscience, te permettent de fournir un coaching profondément réfléchi et efficace. Joanne, tu es également certifiée dans l'utilisation de l'outil EQI et une praticienne passionnée de l'intelligence émotionnelle, ce qui enrichit encore ta capacité à guider tes clients vers une vie professionnelle et personnelle épanouie. Aujourd'hui, Joanne, tu continues de partager ton expertise et ton amour pour le coaching, motivé par une passion inébranlable pour la connexion humaine, le développement personnel et la transformation. Tes clients, qu'ils soient chefs d'entreprise ou athlètes de haut niveau, trouvent en toi une alliée précieuse dans leur quête de performance et d'authenticité.
Alors, Joanne, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que l'on puisse en savoir davantage sur toi? Bon, déjà, merci énormément, Yotis, pour tout ce que tu viens de partager. J'ajoute que je suis toujours assez passionnée du sport. Mon sport à l'époque, c'était l'aviron. Aujourd'hui, c'est la natation. J'ai la chance d'avoir un chien et je démarre mes journées avec de longues balades avec lui, qu'il pleuve comme ce matin ou qu'il fasse beau ici à Toulouse. J'ai envie aussi de partager que j'ai la maladie de Lyme chronique par la piqûre de tique. Je me permets de partager ça parce que c'est la saison de tique maintenant. Méfiez-vous, cette maladie, elle est très handicapante et il n'y a pas de remède. Donc, protégez-vous et faites très attention par rapport à ça. Et une dernière petite chose à partager, je suis passionnée des plantes d'intérieur. Si vous comprenez, vous comprenez. Est-ce que tu donnes des noms à tes plantes? Non, je donne des boutures à tout le monde parce que je ne peux pas jeter, mais non, des noms, pas encore. Ok. Alors, Joanne, tu vas nous présenter la séance zéro, la clé de la réussite. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce sujet plutôt qu'un autre? Pour être tout à fait honnête, une relation de coaching catastrophique que j'ai vécue il y a 8 ou 9 ans, qui était en grande partie, bien sûr, ma faute. J'ai beaucoup travaillé pendant plusieurs mois cette relation et ses difficultés. Et chaque fois que j'amenais ces sujets en supervision, je revenais à la même chose. Et c'était le point de départ qui était une séance zéro presque inexistante. Du moins, j'étais présente, mais j'ai pas réussi a beaucoup participé parce que la cliente avait autant tellement besoin de partager sur ses difficultés qu'au bout d'une heure, je n'avais toujours pas expliqué ce que c'était. Donc du coup, ça m'a mené à réfléchir sur ma propre pratique, mais aussi en tant que superviseur, je constate que beaucoup de problématiques amenées en supervision sont liées à une séance zéro manquante en quelque sorte. En tout cas, un grand merci et bravo pour le titre qui est accrocheur. Merci, Johan. Je t'invite à commencer ta présentation et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci beaucoup, merci. Et oui, en effet, il y a une espèce de, malgré le fait que je sois anglophone de langue maternelle, j'ai essayé de faire un petit jeu de mots avec ce titre parce que la séance zéro, la clé de la réussite, pour moi, la séance zéro est en effet la clé de la réussite d'une relation de coaching éthique et productive, utile, réussie. Mais j'espère aussi, lors de ce webinaire, partager avec vous des clés pour réussir également cette séance zéro. Donc, on va y aller, on va se plonger dans le sujet. Alors, je vais juste mettre quelques mots sur ce que c'est la séance zéro pour moi. Comme ça, nous avons tous une définition partagée. Séance zéro, autrement appelée séance d'exploration, séance de découverte, rendez-vous d'information, séance d'introduction, entretien préalable. Bon, je pourrais continuer comme ça. Vous avez sans doute vous-même des noms que vous donnez. J'ai choisi la séance zéro parce que c'est ce premier moment avec un client potentiel où on se retrouve pour échanger à la fois sur les besoins du client, mais aussi sur ce que c'est le coaching. Et c'est avant de décider si on va continuer le chemin ensemble. Donc, c'est le point de départ, peut-être pour la suite, mais aussi zéro, parce que rien n'est défini ni décidé pour commencer. Donc, du coup, c'est une séance qui permet à chacun de décider par la suite s'il veut s'engager dans la relation de coaching ensemble. Donc, voilà pour vous ma définition de ce que c'est cette séance zéro. Pourquoi ce sujet? Je vous ai partagé cette expérience très difficile. J'en rigole, mais comme vous pouvez imaginer, quand on se retrouve dans une relation un peu compliquée avec un client où on souhaite être utile et vraiment aider la personne à avancer sur les objectifs et quand ça se passe pas comme prévu, c'est pas drôle du tout. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris du temps pour analyser ce qui se passait, de ce que j'amenais, et j'ai découvert qu'il manquait beaucoup d'éléments clés de la mise en place de la relation en amont.
Mais en plus de ça, comme je vous ai dit, nous constatons en tant que superviseurs, et j'imagine qu'il y a des superviseurs parmi les personnes qui regardent ce webinaire, qui seront sans doute d'accord avec moi. En effet, la recherche démontre qu'au moins 50% des sujets amenés en supervision sont liés au contrat et cadre pas clair. Et ces deux éléments sont posés, vus en détail lors de la séance zéro. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que je trouve ce sujet très intéressant et du coup important. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va d'abord aborder et revoir rapidement les objectifs de cette séance zéro. On va regarder de près les étapes de la séance zéro, c'est-à-dire ce qu'on fait dans la séance zéro. Et puis, par la suite, je vais vous présenter mes clés pour réussir une séance zéro. Et ce sont des choses qui tournent beaucoup là autour de l'être, les attitudes et comportements qu'on doit adopter en tant que coach pendant cette séance. À la fin de la séance zéro, il y a une décision à prendre, autant pour le client que pour le coach. Et donc, on regardera ensemble les critères permettant de dire oui ou non à un client. Et puis, j'ai envie aussi de partager avec vous comment je définis les objectifs avec mes clients. Il y a quelque chose que je fais qui est parfois un peu étonnant pour certains de mes collègues coachs, mais j'aimerais bien le partager avec vous. Et après, vous faites ce que vous voulez avec ma proposition. Donc, on va commencer avec une question. Et j'aimerais avoir vos réponses dans le chat. C'est une question qui va nous permettre de prendre un petit peu de recul avant de se plonger dans le sujet de la séance zéro. Et la voici. À votre avis, qu'est-ce qui contribue à la réussite d'un coaching? Donc, je vous invite à poser vos réponses dans le chat et Yotis les partagera avec moi. Alors, il y a déjà pas mal de réactions. Nicolas qui nous dit climat de confiance, Béatrice la présence, Cécile l'alliance, Pascaline la clarté sur le rôle de chacun. Alors, je vais enchaîner les réponses plutôt, le climat de confiance, le cadre, engagement du coaché, la confiance, la relation et l'engagement du client, la clarté de la demande, l'alliance avec le coaché, le contrat clair et précis, la connexion et confiance, un objectif clair, la présence, écoute active, confiance, et ça continue, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Je vais prendre deux petits derniers comme ça. Suzanne qui nous dit la confiance et objectif, et Sophie qui nous dit l'engagement du coaché et la relation. Bien, super, merci beaucoup. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qui lie toutes ces choses? Pour moi, tout ce que je viens d'entendre et sans doute pas mal d'autres choses que vous avez partagées, toutes ces choses sont liées par le fait qu'ils ont pour moi leur origine dans la séance zéro. C'est-à-dire, créer de la confiance, ça commence dans la séance zéro. Amener de la clarté, ça se passe dans la séance zéro. Poser le cadre et parler du contrat et du contenu d'un contrat, établir le début des objectifs, la présence, l'écoute active, ce sont aussi des choses qui démarrent en séance zéro. Donc, merci beaucoup tout le monde. On va avancer dans la direction de la séance zéro. Donc, on va commencer juste pour poser ensemble, pour moi, les objectifs clés du coup de la séance zéro. Donc, comme vous avez déjà dit dans le chat, il est important de se connaître et de pouvoir donc dans cette séance zéro faire connaissance en échangeant un petit peu sur qui nous sommes et ce que nous faisons. Et il y a aussi l'importance de comprendre pourquoi le client souhaite se lancer dans le coaching maintenant, qu'est-ce qui le motive, quels sont ses besoins et ses envies et pourquoi maintenant, la question, elle est importante. Il faut bien sûr s'aligner sur la définition de ce que c'est le coaching. Nous savons tous à tel point aujourd'hui, il y a des personnes qui se nomment coach, qui font tout autre chose que nous. Et donc, bien comprendre l'idée du coaching avec laquelle le client arrive et bien sûr clarifier avec nos propres contributions en tant que coach sur ce que c'est et ce que ce n'est pas aussi, bien sûr.
On va également poser le cadre, comme vous avez dit, un cadre clair et très important, et on va expliquer le processus du coaching, à la fois le processus global, mais aussi expliquer comment ça se passe dans chaque séance. On va, comme vous avez dit, clarifier les responsabilités. C'est très important dans une relation de coaching que chacun soit clair par rapport à ses responsabilités et ses contributions dans la réussite de la relation et le travail ensemble. Et puis, tout ça va nous amener également à créer de la confiance, qui est une des choses que vous avez citées plusieurs fois comme très, très importante dans cette relation par la suite, si elle se met en place. Et du coup, l'objectif final, ultime, on va dire, de la séance zéro, c'est d'avoir assez d'informations, chacun de son côté, pour décider si on souhaite s'engager dans la relation avec l'autre. Donc, du coup, on va maintenant passer aux étapes clés d'une séance zéro. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose là-dedans. Il y a quatre étapes dans une séance zéro. Il y a l'introduction, il y a à un moment des partages de la part du coach, il y a également des partages de la part du client et bien sûr, il faut bien clôturer la discussion ensemble. Et là, on va parler du coup surtout de ce qu'on fait dans une séance zéro pour commencer. Donc, première étape, c'est le démarrage. Et pour moi, le coach mène la séance zéro. C'est au coach d'expliquer le déroulé de cette séance ensemble, les objectifs du pourquoi on est là. Et aussi, moi, j'aime bien poser quelques questions pour démarrer. Je demande au client de quoi a-t-il ou elle besoin et envie d'entendre de ma part afin de pouvoir prendre sa décision à la fin. Je demande également où est-ce que le client souhaite commencer. Est-ce qu'il ou elle préfère que je démarre en présentant quelques éléments ou est-ce qu'il préfère commencer lui-même? Je laisse le choix. Souvent, je dois avouer que le client me demande s'il peut commencer par expliquer un petit peu pourquoi il est là. Je laisse bien sûr démarrer et parfois, il y a des clients qui préfèrent que je commence et je le fais également avec grand plaisir. Je vais parfois poser une dernière question qui me donnera quelques éléments avant de me lancer. Je demande parfois ce que le client sait déjà du coaching, s'il a des expériences par le passé et quelle est sa vision du coaching. Après, on arrive sur les contributions du coach. Alors, je précise, quand je parle de ces contributions du coach, ce n'est pas pour dire que le coach va déverser en une seule fois, toutes les informations que je vais citer. Au contraire, je vous indique les points clés, à mon avis, à partager en tant que coach, qui peuvent se glisser dans la conversation à n'importe quel moment, mais qui doivent absolument être abordés lors de ce moment ensemble en séance zéro. Bon, comme vous pouviez imaginer, je pense que nous sommes tous d'accord. Il est très important de partager ensemble une définition claire de ce que c'est le coaching et de ce que ce n'est pas. Ce n'est pas bien sûr du consulting, ce n'est pas du mentoring et c'est surtout pas de la thérapie ni de la formation. Avoir une définition claire, accessible pour vous avec vos propres mots, c'est très, très important. Donc déjà, pouvoir parler de ça, c'est fondamental. Il faut pouvoir expliquer le processus global du coaching et aussi donner quelques informations sur comment ça va se passer dans chacune des séances. Pour le processus global, je dis très simplement, on est ensemble lors de la séance zéro aujourd'hui. Par la suite, il y aura une décision de travailler ensemble ou pas. Si on décide de travailler ensemble, on va clarifier les objectifs, établir un contrat de coaching et démarrer le travail.
Il y aura X heures de travail ensemble ou X séances et on clôturera bien sûr le travail ensemble lors de la dernière séance où on reverra les objectifs ensemble et le progrès par le client. Et puis j'explique que chaque séance se passera toujours de la même manière, c'est-à-dire que je vais toujours poser les mêmes questions au début de chaque séance et les mêmes questions à la fin de la séance. Et je cite mes questions. Je vais d'abord demander qu'est-ce que tu as envie de partager avec moi depuis notre dernière séance. Après, je vais demander quel est le sujet que tu souhaites aborder ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux retirer de la séance en lien avec ce sujet? Et pourquoi est-il important pour toi de traiter ça ensemble aujourd'hui? Comment tu sauras que tu es arrivé là où tu souhaites à la fin de la séance? Et à ton avis, tu as besoin d'aborder quoi pour y arriver? Et puis, dernière question, où est-ce que tu veux commencer? Et puis, à la fin de la séance de coaching, je te poserai quelques questions chaque fois. Je te demanderai où tu en es en lien avec ton sujet, avec quoi tu pars, ce que tu as compris et appris grâce à notre séance de coaching, et ce que tu vas mettre en place par la suite afin de te mettre en action avant de se voir la prochaine fois. Je donne ces éléments au client ici et maintenant dans la séance zéro pour qu'il puisse comprendre comment ça va se passer et quelle est du coup sa part de responsabilité. On le voit déjà, je lui dis clairement lors de la séance zéro qu'il sera responsable du sujet à mener et traiter ensemble. On va lors de la séance zéro également parler des principes clés de la posture de coach. Alors, il y en a une quantité, mais on va citer des choses comme le fait que le coach est là au service de la réflexion du client, que le coach vient à chaque séance sans réponse, mais qu'il a totalement confiance dans la capacité du client à trouver ses propres réponses. On va parler de la co-responsabilité, de la confidentialité. On va expliquer également que le coach va écouter, questionner, reformuler, rester très présent et au service du client, qu'il y aura une flexibilité et qu'il s'adaptera au client, aux besoins et à sa demande chaque fois. Il y en a d'autres éléments que vous avez peut-être envie de partager, mais ça vous donne déjà une idée de ce que je mets derrière cette notion de principe et de posture. On va bien sûr poser la légitimité du coach lors de la séance zéro. Le coach va parler de sa formation, de sa ou ses certifications, de son développement continu, du fait qu'il soit expérimenté. Et surtout, le fait qu'il soit supervisé et qu'il a un espace pour prendre du recul et se remettre en question et continuer à grandir au fur et à mesure des années. On va aussi, en tant que coach, parler de nos propres couleurs de coach et nos besoins pour être au top dans la relation avec nos clients. Alors là, les jeunes coachs ont souvent du mal à parler de leur couleur et je sais que ce n'est pas évident, moi j'ai mis longtemps. Une chose qui m'a beaucoup aidée d'ailleurs à poser des mots sur qui j'étais en tant que coach, c'était les mots de mes clients. Je me souviendrai toujours d'un déjeuner en fait avec un client, quelqu'un avec qui j'avais travaillé longtemps. Nous avons établi une relation amicale par la suite où on se retrouvait une ou deux fois par an pour manger ensemble. Et je me souviens d'un déjeuner où je lui expliquais qu'il fallait que voilà, je crée un site web et un profil LinkedIn et que je savais pas quoi dire. Et lui, il était spécialisé dans le marketing et la stratégie. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils te disent tes clients? J'ai dit, bah, j'en sais rien. Il m'a dit, mais comment ça, tu demandes pas de feedback? J'ai dit, bah,
Pas forcément. Je demande au fur et à mesure du travail comment ça se passe et je laisse toujours la porte ouverte, à m'adapter selon leurs besoins, etc., pendant le travail ensemble. Mais il m'a dit, écoute, je vais rentrer au bureau après notre déjeuner, je vais t'envoyer un mail et je vais te dire ce que j'ai apprécié, en fait, dans ta façon de travailler. Il m'a dit, je t'invite à faire la même chose avec, voilà, 20 de tes clients. Donc, je l'ai fait. J'ai sollicité des clients et je leur ai demandé ce qu'ils ont apprécié dans notre travail et ma façon de travailler. Et grâce à eux, grâce au retour que j'ai eu, j'ai pu extraire des mots qui m'ont permis de parler de moi-même, mais peut-être avec moins de gêne parce que j'utilisais tout simplement les mots et les retours de mes clients. Donc, ça, c'est important, pouvoir poser des mots sur qui nous sommes en tant que coach et surtout nos besoins. De quoi avez-vous besoin pour être bien, à l'aise et performant dans vos relations avec vos clients? La séance zéro, c'est le moment de le poser. On va bien sûr parler des responsabilités de chacun. C'est au coach d'expliquer quelles sont ses responsabilités dans la relation et dans la réussite du travail ensemble. C'est au coach également de signaler et surligner les responsabilités du client. J'en ai déjà évoqué la notion de venir à chaque séance avec un sujet. Il y en a bien sûr d'autres. Et puis, il faut aborder à un moment les points administratifs. Alors, qu'est-ce que je mets derrière ça? Bah, comment ça se passe? Quelle est la durée moyenne? Comment est-ce qu'on calcule? Quels sont les tarifs? Quels sont les packages différents qu'on propose? Quel est le rythme? Est-ce que c'est en présentiel ou en visio? Et ainsi de suite. Donc, voilà. Pour moi, le coach, il doit avoir ces éléments clairement préparés afin de pouvoir les partager et les glisser dans la conversation, à un moment ou à l'autre. Il y a bien sûr des contributions de la part du client également. Et si le client ne nous fournit pas ces informations quand il se présente, à nous de poser des questions qui permettent d'avoir les réponses. Donc, c'est bien d'entendre qui elle est, la personne devant nous, comment cette personne parle d'elle-même. Bien sûr, c'est intéressant de savoir ce qu'il ou elle fait dans la vie et pourquoi, très important, pourquoi cette demande de coaching maintenant? Qu'est-ce qui motive la personne à nous solliciter? Pourquoi elle est là devant nous en séance zéro pour démarrer un travail de coaching? On va aussi encourager le client à partager ses priorités et ses envies, les sujets abordés, les challenges, les difficultés et toute autre chose. On va également demander au client de partager avec nous, comme on fait nous-mêmes, ses besoins pour être à l'aise dans cette relation et ce travail avec nous. De quoi a-t-il besoin, ce client, pour être dans sa pleine authenticité et vulnérabilité lors de ce travail ensemble? C'est toujours intéressant aussi de savoir quel type de coach la personne recherche. Ça nous permet de savoir si on est adapté. Et puis, bien sûr, on va demander au client s'il a des questions pour nous. Et bien sûr, on va répondre à ces questions. Il y a après un moment où on arrive à la fin de la séance zéro. Moi, j'aime bien laisser 1 heure à cet échange. Je sais qu'il y a des gens qui font ça plus rapidement, mais moi, j'aime bien laisser du temps à cet échange. Et puis, j'explique à la personne que je la laisse maintenant digérer cet échange. Chose que je vais faire aussi de mon côté et je la laisse revenir vers moi d'ici 1 semaine avec sa décision. Et je lui demande de m'informer même si elle décide de ne pas avancer avec moi. Alors parfois, à la fin de la séance, la réponse est déjà claire.
Clairement oui, j'ai envie de dire. Si c'est clairement non, c'est un petit peu plus délicat de le dire de suite. Je vous invite à laisser un petit peu de temps de réflexion si vous n'êtes pas convaincu de votre côté. Mais parfois, j'ai des clients qui me disent, ma décision, elle est déjà prise. Je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, je veux bien avancer avec vous. Si moi, j'ai envie aussi, bah, on se dit oui et ça nous permet de passer à une étape suivante qui est l'organisation de la suite. Je vous parlerai de ça d'ici peu. Donc ça, ce sont les quatre étapes de cette séance zéro. Maintenant, j'ai envie de venir aux clés de la réussite de cette séance. Et là, on va être plus dans l'être, dans les attitudes et comportements qui vont vous aider à réussir la séance zéro, ce premier contact avec un client potentiel. Number one, c'est la préparation. Il ne faut pas sous-estimer la préparation nécessaire à une séance zéro réussie. Donc là, j'ai une question pour vous. Comment est-ce que vous vous préparez pour une séance zéro avec un client potentiel? Et donc, on va chercher tes réponses et il y en a déjà. Il y a Martine qui nous dit la méditation, Marc nous dit respiration, cohérence cardiaque et ça s'enchaîne. Ce soir, les synergiens sont en masse et très présents. Alors, je vais enchaîner donc les réponses. Respiration, je lis sa demande avec intérêt. Centrage, essayer de trouver des infos sur le client. Réflexion, info sur l'entreprise. Préparation mentale, calme, musique, plus étape clé à dérouler, silence et centrage, je prépare mes questions, soin de l'écoute active, je revois ma démarche de séance zéro, je me mets dans un état de pleine conscience. Donc voilà, ça s'enchaîne, ce soir, il y a énormément de monde et donc il y a énormément de réponses. Super, merci beaucoup, Yotis, et merci à tout le monde. Donc, j'entends des choses qui tournent autour de la préparation de vous-même, la méditation, la pleine conscience, l'ancrage, demander à l'univers. Et puis, j'entends aussi des préparatifs plus pratiques, prendre des infos sur le client, l'entreprise, la demande. J'ai entendu aussi lâcher le résultat. Donc, je pense qu'en effet, il y a de la préparation de toutes sortes. Je pense que c'est très facile de faire ça un peu freestyle, hein, parfois, sans trop de préparation. Je vous ai listé juste avant les contributions du coach. Moi, très honnêtement, je vous invite à poser par écrit vos réponses à tous les éléments que je vous ai cités. Votre définition de coaching, comment vous expliquer ce que ce n'est pas, le processus, qu'est-ce que vous mettez comme mot, vos couleurs de coach, la posture de coach. Je vous invite à poser ces choses par écrit pour vous aider à vous organiser. Je pense que la clarté qu'on a en principe, qu'on imagine, voilà, dans la tête, on sait ce qu'on a envie de dire, plus ou moins, ça va sortir. Entre cette clarté qu'on pense avoir dans la tête et poser des mots simples, il y a un écart. Et l'exercice de poser par écrit, moi, je trouve qu'il est très intéressant. Et de toute façon, très honnêtement, tout ce que vous partagez en séance zéro doit être noté dans vos contrats de coaching, de toute façon. Donc, vous préparez en détail une fois et poser des mots écrits sur ces choses, ça vous sert à construire et à nourrir, enrichir vos contrats de toute façon. Donc, ce n'est jamais perdu. Donc, préparation de vous-même, de ce que vous êtes par la méditation, l'ancrage, la présence, préparation de ce que vous faites, c'est-à-dire, comme vous avez dit, revoir les étapes et prendre conscience de ce que vous avez envie de partager et encore plus détaillé, la préparation des mots que vous avez envie vraiment de poser. Tout ça avec un but de clarté et simplicité. Donc, je prends un moment, hein. Je vois que je commence à parler de plus en plus vite. Donc, je vais juste me poser pour que je puisse rester le plus clair et simple avec vous. Toute cette préparation dont on a parlé dans le chat et sur le slide précédent, permet d'être dans une simplicité, une clarté le moment venu avec le client et de poser les éléments clés d'une manière abordable et compréhensible pour le client.
Il est très facile, moi je trouve, de trop dire, de trop parler et de rentrer dans trop de détails si on n'a pas préparé, qui n'est pas aidant pour le client et ce qui ne nous aide pas à créer cette image professionnelle dans cette séance zéro. Et tout ça nous mène à la suite et ça, c'est la légitimité. Comment créer sa légitimité en séance zéro et d'où vient cette légitimité? Donc là, je vais demander à Yotis de lancer le premier petit sondage. Quel impact votre expérience professionnelle antécédente a-t-elle sur votre légitimité de coach? Voilà le premier sondage. Quel impact votre expérience professionnelle antécédente a-t-elle sur votre légitimité de coach? Aucun impact. Ma légitimité de coach ne vient pas de là. Cela peut rassurer mes clients, mais sans plus. Ça fait toute la différence. On me choisit pour cela. Et donc, voici les résultats. Avec 46%, cela peut rassurer mes clients, mais sans plus. 41%, ça fait toute la différence. On me choisit pour ça. Et 13%, aucun impact. Ma légitimité de coach ne vient pas de là. Merci beaucoup. Alors là, ça devient intéressant parce que je ne suis pas d'accord. Mais c'est ça la beauté de l'être humain. Et j'adore en fait le fait qu'on ne soit pas tous d'accord. Alors, je pense que je suis influencée par le fait que je travaille pas mal avec les États-Unis. Et que aux États-Unis, il y a une bonne partie des clients qui recherchent des coachs qui sont justement spécialisés ou qui ont de l'expérience dans le domaine du client ou le niveau de hiérarchie du client. Et moi, ce que je vois en tant que superviseur, très honnêtement, c'est que ça crée beaucoup de difficultés pour un coach quand il connaît très bien le rôle, le service ou le secteur du client. Pourquoi? Bah, parce que ça nous donne envie de proposer des choses, parce qu'on est parfois trop en posture d'expert. Donc, du coup, moi, personnellement, en réponse à la question d'où vient ma légitimité, moi, je pense que, honnêtement, je pense que la majorité de mes clients n'ont aucune idée de ce que j'ai fait dans ma carrière précédente. Vraiment, ni mes études, ils me sollicitent pour mes compétences de coach parce que je ne parle que de ça. Je n'affiche presque pas mes expériences antécédentes. Par contre, en effet, pour vous rejoindre, quand je travaille avec des athlètes de haut niveau, le fait que j'étais athlète moi-même par le passé impacte leur décision en partie de travailler avec moi. Donc, je vous accorde ça quand même. Mais bon, pour moi, la légitimité du coach vient de plusieurs éléments, surtout de sa formation, de sa certification et de son expérience. Pouvoir dire à nos clients que nous sommes formés, c'est fondamental. Pouvoir montrer que nous sommes certifiés devient de plus en plus important. Nos clients ne sont pas dupes. Ils ont très bien compris que ce n'est pas forcément le cas de tous les coachs sur le marché aujourd'hui d'avoir une certification. De plus en plus d'entreprises, du moins, demandent la certification du coach avant d'embaucher qui que ce soit. Et puis, l'expérience vient avec le temps, bien sûr, mais néanmoins, afin d'avoir l'ACC, il faut 100 heures de coaching. C'est déjà pas mal. OK? Donc, ça, c'est à mettre en avant quand vous parlez de qui vous êtes en tant que coach. Après, démontrer et dire clairement que nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. C'est-à-dire que l'ICF, d'ailleurs, exige ça avec les fameux CCU pour renouveler sa certification et puis parler du fait que nous sommes supervisés. Pour moi, la supervision depuis toutes ces années est l'espace où je grandis le plus en tant que coach. Mais ça montre notre sérieux quand on dit qu'on investit nous-mêmes dans cette amélioration continue, ce développement professionnel continu. Alors, notre légitimité, bien sûr, ça vient de ce que nous disons et de ce que nous faisons, et surtout de la cohérence entre ces deux choses-là.
Et puis, ça va nous mener sur mon slide juste après. Donc, gardez ça en tête, mais de ce que nous disons et nous faisons, de ce que nous sommes aussi, notre façon de parler, de nos besoins, de nos valeurs, de ce qui nous motive, de pourquoi on est là, de nos couleurs de coach. Voilà, on dégage quelque chose de l'être en parlant de ces choses-là. Et puis, il y a des gens qui aiment beaucoup parler de l'énergie. On ne peut pas nier aujourd'hui le fait que l'être humain et les animaux et beaucoup d'autres choses d'ailleurs dégagent de l'énergie. Moi, je sais pertinemment qu'il y a des gens avec qui je suis bien parce que leur énergie, même si je ne peux pas mettre des mots plus concrets que ça, m'attire. Et puis, il y a des gens que j'apprécie beaucoup autour de moi, mais qui me vident quand je suis avec eux parce que leur énergie ne me convient pas. Donc, soyons conscients de l'énergie que nous dégageons parce que ça crée aussi une certaine légitimité dans nos métiers de coach. Et cette énergie, elle doit être authentique. Donc, quelque chose d'important également, c'est l'authenticité. Soyez vous-même en séance zéro. Soyez vous-même. Soyez ce que vous êtes par respect de vous-même, mais aussi par respect de l'autre personne en face de vous. Vous êtes ce que vous êtes. Porter un masque, essayer d'être autre chose ne va pas vous servir par la suite. Ça permet également au client, la personne en face, de prendre sa décision en conscience de cause. Si le client décide que nous ne sommes pas le bon coach, tant mieux. C'est compliqué de travailler avec un client quand le match n'est pas bon et quand c'est compliqué, nous ne faisons pas notre meilleur travail. On n'est pas au top de notre performance. Donc, osez être vous-même. Moi, quand je vais en entreprise pour travailler avec les dirigeants, j'y vais comme ça. Les tatouages à l'air, ce que je suis. Et les retours que j'ai, la plupart du temps, c'est que je suis, à mon étonnement, je dois avouer, c'est que je suis hyper professionnelle. Et ça vient du fait que je suis honnête, que je suis authentique, que je suis claire par rapport à qui je suis. Je peux mettre des mots sur ça et je parle de mes besoins et l'authenticité prime dans la relation avec l'autre. Et puis, on a besoin de cette authenticité dans la relation avec nos clients parce que c'est modélisant pour nos clients et ça les aide également à être dans leur authenticité lors de notre travail ensemble. Alors, là, on va y avoir un autre sondage. Ça, c'est un sujet aussi qui me passionne. Porter la bonne casquette en séance zéro. La question, du coup, c'est quelle est votre posture dominante en séance zéro? Vous avez 4 options et j'attends vos réponses avec impatience. Voilà pour le prochain sondage. Quelle est votre posture dominante en séance zéro? Coach, expert, commercial, autre. Voici les résultats. 82% coach, 9% expert, 5% autre et 4% commercial. Super, merci beaucoup, merci, merci. Ok, très intéressant. Alors, j'ai pas des statistiques à partager avec vous parce que là, ça serait vraiment trop. Je peux pas vous dire quelles sont, voilà. En tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il n'y a pas pour moi une posture qui domine lors de cette séance. Il y a des moments où, bien sûr, on est en posture de coach, c'est-à-dire on est dans l'écoute, le questionnement, la reformulation. Nous sommes présent au service de l'autre. Et puis, il y a des moments, pour moi, un peu plus que les 10% affichés par vos réponses, où nous sommes en posture d'expert. C'est-à-dire au moment où on parle de ce que c'est le coaching, de ce que ce n'est pas, de quand on clarifie ce que c'est le processus, quand on parle de comment ça se passe en séance, quand on met des mots sur nos couleurs de coach, sur notre posture de coach, quand on parle des responsabilités, quand on parle des côtés, des points administratifs, c'est là où on est en mode expert du coaching.
Okay? Donc, nous sommes experts du coaching. Et ce n'est que dans la séance zéro que nous allons adopter cette posture d'expert. Et puis, on est un petit peu commercial. Alors, vous allez voir, c'est pas mon sujet préféré. Voilà, parler de vendre du coaching et tout ça. Quand est-ce qu'on est commercial lors de la séance zéro? Ben, c'est quand on parlait de nos prix, de nos packages, de comment ça marche, comment ça se passe, de comment on démarre le travail, du contrat, de toutes ces choses-là, du côté pragmatique, pratique, de la mise en place d'un contrat avec toute la partie argent, négociation qui va avec. Donc, ça prend aussi une petite place dans la séance zéro. Donc, j'ai envie de vous dire, pour les gens qui pensent qu'il faut assumer majoritairement la posture de coach, je vous invite à réfléchir au moment où vous pourriez être plus en posture d'expert. J'entends beaucoup de coachs qui me disent qu'il faut être presque entièrement en posture de coach lors de cette séance. Et je pense que c'est une erreur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas assumer la posture de coach et les compétences de coach au service du client. Mais moi, personnellement, je trouve que pour réussir la séance zéro, nous sommes plus en posture d'expert du coaching pendant ce moment ensemble, ce qui crée la légitimité, la clarté et la simplicité qu'en pur mode coach à questionner, reformuler et écouter. Il faut prendre sa place parce que si on ne le fait pas dans la séance zéro, ce n'est pas plus tard dans la relation que c'est plus facile, si vous voyez ce que je veux dire. Autant passer du temps en posture expert lors de la séance zéro pour clarifier et poser toutes ces choses et assumer pleinement sa posture de coach pour le reste du travail ensemble. C'est ma vision des choses et je suis tout à fait OK si vous n'êtes pas totalement d'accord. Je suis là pour partager des choses et pour provoquer de la réflexion. Il y a des choses qui vont vous être utiles et intéressantes et des choses où vous allez dire non, je ne suis pas d'accord, mais ça vous aide à vous confirmer dans ce que vous faites déjà de votre côté et tant mieux, ça me va très bien comme ça. Alors, une autre clé, humilité. Humilité, je veux juste dire, restons humbles parce que nous sommes des milliers de coachs sur le marché aujourd'hui et il faut accepter et respecter le fait que nous ne sommes pas le bon coach pour toutes les personnes que nous rencontrons. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous avec cette notion-là. C'est OK si nous ne sommes pas le bon coach, il y en a d'autres. Moi, je dis en séance zéro, prenez le temps de digérer notre discussion et si vous avez envie de travailler avec moi, vous revenez et vous me le dites. Et si vous décidez que je ne suis pas le bon coach pour vous, n'hésitez pas à me le dire. Je peux également vous mettre en contact avec d'autres collègues coachs qui seraient peut-être mieux adaptés. Donc, gardons une pointe d'humilité dans ce travail. Nous ne sommes pas le bon coach pour tout le monde. Et puis, voilà. Vous l'avez évoqué lors d'un des sondages et je suis convaincue, pour moi, une bonne séance zéro a comme conséquence de signer un contrat. Pour moi, ce n'est pas un objectif de la séance zéro de signer un contrat et de vendre quelque chose. Quand on est dans une énergie de vente, je pense qu'on risque de polluer la séance zéro. Donc, je répète ça de manière un peu plus claire. Le contrat signé est la conséquence d'une séance zéro réussie et ne pas l'objectif. C'est ma vision des choses. Donc, qu'est-ce qui se passe après? On a une décision à prendre de notre côté, tout comme le client. Si c'est une entreprise, il y a, je mets une parenthèse parce que c'est pas toujours le cas hors parcours pour entreprise, mais en entreprise, il y a souvent une tripartite ou une quadripartite. Après, les objectifs à clarifier à un moment, un contrat à signer et finaliser à signer, et puis c'est là où on peut démarrer. Donc, comment est-ce qu'on y arrive à cette décision en tant que coach, je parle de nous et pas du client, à décider si on avance ensemble avec le client? Bon, tout d'abord, c'est une décision, j'insiste, bilatérale et consciente. OK? On sait pourquoi on dit oui à un client. Première question que je me pose, en quoi la demande et le profil de ce client matchent avec mes envies en ce moment? Déjà. Bonne question. On met ce qu'on veut derrière, mais est-ce que je pense que ce client est coachable d'après ce que j'ai entendu et ressenti?
En quoi cette demande répond à mes priorités pour mon business en ce moment? Nos priorités changent d'une année à l'autre et en quoi ce coaching et cette demande répondent à mes priorités actuelles? Si je dis oui, quelle est ma vraie motivation? Est-ce que j'aime la personne? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que j'ai besoin de ce contrat? Est-ce que je veux aller dans la direction de ce profil de client? Quelle est ma vraie motivation? Je me pose aussi la question de mon intuition. Parfois, ma tête me dit oui, mais oh, j'ai l'estomac un peu noué et donc mon intuition est peut-être en train de me dire quelque chose d'autre. Et puis, une dernière question que je me pose, c'est autour des énergies. Est-ce que nos énergies semblent alignées et compatibles? Donc, vous avez sans doute des questions de votre côté, mais au moins, en fait, je vous invite à prendre la décision consciemment. Voilà, donc c'est une question importante pour moi. Je suis curieuse de vos retours. À quel moment est-ce que les objectifs du coaching sont validés pour vous? Il y a trois options dans le sondage et je suis curieuse de savoir ce que vous allez choisir. Et voilà, donc pendant la séance 0, entre la séance 0 et la séance 1, et lors de la séance 1, et vous avez moins de 7 secondes pour celle-ci, parce que voilà, il nous reste que quelques minutes. Donc 57 lors de la séance 1, 27% entre séance 0 et séance 1, et 16% pendant la séance 0. Merci beaucoup. OK, moi j'ai un avis très particulier par rapport à ça. Je le partage avec vous. Personnellement, je pense qu'en aucun cas, le coaching doit démarrer sans que les objectifs soient clarifiés et finalisés ensemble. Donc, personnellement, je laisse le client rédiger ses objectifs entre la séance zéro et le démarrage. Donc, ce n'est pas à vous de rédiger les objectifs de vos clients. Danger, danger, danger. La majorité de coachs que je connais font cela pour leurs clients et je pense que ça n'aide pas avec l'engagement du client si ce n'est pas eux qui posent par écrit leurs propres objectifs. On peut poser des questions qui aident le client à formuler leurs objectifs et on peut leur dire qu'est-ce que vous attendez à la fin, qu'est-ce qui aura changé, où est-ce que vous voulez en être. Mais ce que je dis au client, c'est maintenant que nous avons décidé de travailler ensemble, je vous invite à poser vos objectifs par écrit dans un mail et de me les envoyer le plus rapidement possible. Une fois que je reçois les objectifs du client, je croise avec mes notes, je propose des petites améliorations ou enrichissements si besoin, et le client valide, on en parle si besoin. J'insère les objectifs dans le contrat et c'est bouclé. Mais en aucun cas, je démarre un travail de coaching sans avoir reçu les objectifs par écrit de la part du client et les avoir validés ensemble. Voilà. Pour moi, c'est essentiel. Donc, je le pose, je vous laisse avec ça. Je trouve que c'est hyper important. Je trouve que c'est dangereux dans l'équilibre de la relation d'écrire les objectifs pour nos clients. Et je pense que c'est aussi un danger de démarrer le travail de coaching sans avoir des objectifs finalisés et surtout un contrat donc rédigé et signé. Le contrat de coaching doit tout simplement exister pour tout travail en coaching, que ce soit des coachings en entreprise avec des particuliers, pro bono ou réciproque. En tout cas, je vous invite à mettre tout ce qu'on vient de voir dans ce webinaire par écrit dans un contrat de coaching et de là, avoir ce document signé avant de vous lancer. C'est une protection juridique au minimum et aussi une trace écrite signée par le client qui peut nous protéger par la suite et permet de revenir sur des éléments clés si jamais écart.
En résumé, tout ça, je vais le mettre en quelques mots et on arrive maintenant vers la fin de ce webinaire. Donc, point de départ, c'est un premier contact par un client potentiel, par mail ou téléphone. Ça nous permet de fixer la séance zéro qui a lieu. Il y a, suite à la séance zéro, une décision, oui ou non. J'invite le client à revenir dans une semaine. Si je n'ai pas de réponse au bout d'une semaine, je relance une seule fois et après je lâche. Si le client est motivé, nous savons tous, il revient vers nous avec un oui. Si c'est un non pour le client, on peut demander du feedback. Moi, je ne le fais pas, mais je n'ai pas d'idée arrêtée sur ce point. Si c'est un non pour nous, il faut le partager. Moi, j'utilise tout simplement une phrase comme « Je ne pense pas être le bon coach pour vous. » Je ne m'explique pas plus que ça. En général, le client ne me demande pas plus d'informations. Je trouve que c'est une bonne façon de poser un négatif sans pour autant dire que c'est la faute de qui que ce soit. Si c'est un oui pour les deux, on demande au client de rédiger les objectifs et de me les envoyer par mail. Le coach croise par la suite ses objectifs reçus avec ses propres notes et soit le coach valide, soit partage ses retours. Une fois validé, on rédige le contrat et on envoie au client pour signature et là, on peut commencer le travail ensemble. Voilà comment ça se passe entre le premier contact et le démarrage avec la fameuse séance zéro au milieu. On arrive donc à la dernière question pour tout le monde. C'est suite à ce webinaire. Qu'est-ce que vous allez faire plus ou moins dans vos séances zéro? Je serais curieuse d'avoir vos réponses dans le chat. Qu'est-ce qui va changer pour vous? Alors, donc, plus préparer la séance zéro, nous dit François. Je vais reprendre mon protocole, dit Michael. Christine nous dit plus de questions. Audrey nous dit expliquer les questions que je vais poser à chaque rencontre. Ginette, demander au coaché de rédiger ses objectifs. Ingrid, plus de préparation et de temps pour la séance zéro. Sophie, être plus sélective. Et ça continue, ça continue, ça continue. Super, très bien. Je voulais te remercier, Joanne, donc pour cette présentation authentique, engagée et dynamique. J'aimerais également remercier Nathalie Blin qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nathalie est ambassadrice ICF Synergie pour le Québec. Elle est également membre du board d'ICF Québec et experte du pôle événement chez ICF Synergie. Alors bonsoir, ou plutôt bonjour, Nathalie. Comment ça s'est passé cet après-midi pour toi et ce soir pour les Européens? Ça s'est très bien passé. Il y a quand même quelques questions techniques et je ne sais pas si Joanne peut y répondre maintenant, mais plusieurs se sont demandé, la séance c'est zéro. Est-ce qu'on la charge, on la facture ou non? Ça dure combien de temps environ une séance zéro? Très bonne question. Je ne facture pas personnellement la séance zéro parce que ça me laisse libre du coup de dire oui ou non. On peut intégrer le coût de ça dans le package de coaching en augmentant légèrement le prix de chaque séance de coaching par la suite, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, personnellement, en réponse à la question sur la durée, je laisse 1 heure à ce premier moment ensemble. Encore une fois, on n'est pas obligé d'utiliser tout ce temps, mais ça laisse le temps d'échanger pleinement. OK. Et s'il y a une tripartie, parce que là, c'était vraiment un coaching un à un et le coaché était le client, mais lorsque le client est une organisation ou lorsque c'est pour un coaching d'équipe, est-ce qu'on fait une séance zéro? Personnellement, oui. Donc, c'est-à-dire quand je travaille en entreprise, je fais quand même une séance zéro avec le coaché avant de faire une tripartite ou quadripartite parce que le match n'est pas toujours bon. L'avantage de travailler en entreprise, c'est qu'on a souvent quelqu'un qui représente les coachs externes et qui fait un matching préliminaire et qui fait souvent très bien son job d'ailleurs. Mais moi, je fais toujours une séance zéro avec un client potentiel one-to-one avant de décider de tripartite et quadripartite. Tripartite ne rentre en jeu que si on décide, on dit oui de chaque côté à ce travail ensemble. Merci. Un grand merci, Joanne, et un grand merci à Nathalie.
Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que celui-ci vous inspirera à être encore plus engagé dans vos relations et de mener la séance avec encore plus de conscience et de présence. Alors, si la réponse est oui, vous nous mettez un petit pouce bleu, vous nous faites sonner la cloche, vous nous mettez des cœurs un peu partout, des commentaires, vous partagez ça sur les réseaux sociaux et vous savez que ça a un effet très positif sur nos niveaux d'ocytocine et d'adrénaline. Alors, rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, transparence, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions, ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Joanne, je te laisse le mot de la fin. Moi, mon petit mot de la fin, merci Yotis, c'est déjà de remercier tout le monde, mais j'ai envie de vous dire que si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est grâce à la supervision et tout ce que j'ai appris lors de ces années de travail. Et j'ai juste envie de partager une citation de Pam MacLean. La supervision interrompt nos pratiques, nos habitudes, nos attitudes et nos systèmes de croyances bien organisés. Elle nous réveille à nous-mêmes et à nos façons d'être et nous pousse à y réfléchir et à grandir. Un grand merci, Joanne. Un grand merci, Nathalie. Un grand merci à vous toutes et tous. Au revoir.